Et donc, je vois que la guérette est agrémentée de 42 voix, tu es feu de bulle de Vincent Gilles. Et bien, bonne continuation. Donc, dans les œufs, vous avez des veloutés de potimarron avec graines de courge, café et des dés de foie gras. Juste à côté, vous avez des briochines de justice cardamone avec des encornets de fromage de chèvre de la région avec saumon fumé maison. Et juste ici, vous avez les Saint-Jacques. Voilà. Bonne nuit. Merci. Le chef vous propose pour débuter le repas un amuse-bouche. On est sur une émulsion avec du fenouil. Vous avez la partie truite façon Gravelax. Et le condiment, on est sur du tamarin comme condiment. Bonne dégustation à vous. Coursin de Bretagne, crème de chou-fleur, nori et caviar de Sologne. Excusez-moi, messieurs, dames. Merci. Donc là, vous retrouvez les Saint-Jacques de Normandie, juste saisis, servis avec la petite mousseline de panais. Vous retrouvez également l'émulsion de jus de barde et clémentine avec le chou vert et la tuile à l'encre de sèche. Bonne dégustation. Merci. S'il vous plaît, madame, monsieur, pour poursuivre le repas. Le chef vous propose donc du homard, donc il est juste rôti. La partie donc salsifie, vous avez donc pamplemousse, suprême de pamplemousse. Ensuite vous avez donc le chou de Bruxelles et des chips à base de panais. Et une petite sauce émulsionnée pour apprécier avec votre homard. On est sur une sauce américaine donc à base de lait. Bonne dégustation à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Bonjour monsieur. On va vous faire les veaux ? Bah oui. Bah oui. Il y a vous et une autre table à côté, on va faire tout en même temps. Allez gars, c'est parti. Peut-être comme si j'étais pas là. Exactement. Je vais faire un petit peu de petit. Celle-là, ouais, ça c'est la plus du rachat. D'accord, c'est quasiment la dernière. C'est une truc de moins 50 grammes. Ah, ouais, c'est. Encore, elles sont plus petites cette semaine. La semaine dernière, j'en avais pris. Ça permet de faire des belles lamelles. Ouais, ouais, c'est ça. J'en ai commandé, j'étais parti, parce que j'ai ah ouais. Ah, je sais pas. Quand on fait des... Après, on a beaucoup de mesures. Ouais, j'ai mis l'autre, je connais plus. Ouais, ouais, c'est bon. D'ailleurs, tu as juste une mission, ouais. Tu peux poser celui-là, la capitaine, là.
Tiens, tu sonnes, Julien, s'il te plaît. Chef. Allez, l'assiette. Alors, messieurs, dames, ici vous retrouvez donc la longe de veau, donc cuite basse température, servie rosée, accompagnée de la pomme de riz de veau, donc qui est bien croustillante sur le dessus et fondante à l'intérieur avec le râpé de noisette sur le dessus. La petite duxelle de champignons avec la mousseline de céleri. Et également, vous retrouvez la truffe noire de Loir-et-Cher qui nous vient de ouvrir le marché de Saint-Denis. Nous, maturité en ce moment, on est très parfumée, vous allez voir. Et bien sûr, pour accompagner notre traditionnelle pomme purée maison avec son lait ribot. Donc là, ça nous vient de Bretagne, c'est entre le lait et la crème fraîche. On a trois types de fromages, les fromages de chèvre juste ici, sur le plateau devant les fromages de brebis, et au centre les fromages au lait de vache. Dans la région, c'est les chèvres. Dans les vaches, j'en ai un, je vais avoir l'olivet cendré, un dérivé de camembert qui nous vient juste à côté d'Orléans. Après, on voyage un peu dans toute la France avec le Livaro de Normandie, je vais avoir le Brie de Meaux au poivre agrumes, en Savoie l'Abondance, dans le Nord la Boulette d'Avenne, juste ici le Brie à Savarin, je vais avoir le Bleu d'Auvergne, en Alsace la Tome aux fleurs, je vais avoir le Morbier, je vais avoir le Mont d'Or, juste ici dans les brebis la Tome de brebis Roquefort et le Chistera. Alors ça c'est une originalité, c'est un assemblage de deux laits. Vous avez à la fois de la chèvre et de la brebis. Et on termine avec la région, avec le Lonzénois, vous allez avoir le Saint-Pont de Touraine, dérivé de Celles-sur-Cher et le Valençay. Dans l'assiette, Livaro, Abondance, Morbier et Bleu d'Auvergne. Alors donc là on est sur le dessert autour de la clémentine avec donc la tuile craquante. À l'intérieur on est sur un minestrone ananas mangue. Ensuite vous retrouvez marmelade, clémentine et savon de noir avec des mousses marron sur les deux. Sorbet, clémentine et savon de noir. Au centre de la table pour les vignardises, on vous propose ici une petite meringue à l'hibiscus, une madeleine au miel et une tuile au sésame. Bonne fin de repas, messieurs dames. Merci. Et bien, bonne continuation. Très chouette.